Je renouvelle mes remerciements à tous, à tous les présents à cet atelier. Et notre souhait, tous, est de sortir de cet atelier avec une feuille de route argumentée, une démarche partagée et un engagement franc sur les étapes qui vont suivre et que M. Ben Hassine va vous présenter tout à l'heure. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. C'est ça? Oh, dites-nous un mot quand même. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر السيد الوزير على دعوة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية التقوية ليوم إطلاق الورشة حول الدراسة الاستشرافية حول الأمن الطاقوي. كما ذلك نشكر المدير العام للمدرسة المدرسة الوطنية للإدارة، وكذلك نرحب ب ممثلين جميع القطاعات والخبراء اللي احنا نتعرفوا، يعني احنا لا كوميونيتي يعني اللي تحمل في الامن الطاقوي في مجال الطاقه يعني معروفه، وعندنا يعني عده مناسبات وين نعمل في افواج عمل ولا في مشاريع. محافظه الطاقات المتجدده والفعاليه الطاقويه تثمن يعني عاليا مبادره الوزاره إعداد هذه الدراسة الاستشرافية حول الأمن الطاقوي، وهو يعني موضوع استراتيجي وموضوع محوري، وكذلك نتمنى يعني المبادرة اللي حول الأمن الغذائي، وكذلك يعني لو كابيتال هيومان، يعني هما يصبوا في نفس الهدف. يعني احنا اون بارل دان نيكسوس، يعني سيكوريتي انرجيتيك، سيكوريتي اليمونتيغ، اي كابيتال هيومان. اي لو كابيتال هيومان دونك لي دانييغ ستود لي دانييغ اناليز مونتر كو بوندون لا بانديمي دو كوفيد 19 سي ان بو لي انتربريز او بيان لي سوسيتي كي اون كونستروي لور ايكونومي سور لانتيليجونس، سور ليكونومي دو سافوار اي سور لو la technologie qui ont pu résister, et d'ailleurs ils ont même enregistré un peu des records en cette période. Donc le commissariat aux énergies renouvelables salue cette initiative, et pour nous ça vient au point nommé. Nous avons élaboré un premier rapport annuel sur la transition énergétique qui a été publié vers la fin de l'année. C'est une sorte d'étude rétrospective, puisque nous avons fait un peu un état des lieux par rapport au premier programme de transition énergétique, notamment le programme des énergies renouvelables et le programme de l'efficacité énergétique. On a fait une sorte d'évaluation à mi-parcours, puisque les programmes ont été lancés en 2011, on est pratiquement en 2021. Donc on est pratiquement à mi-parcours, puisque les projets ont eu comme projection l'horizon 2030. Donc on est en 2021. Maintenant, par rapport à la prospective, je pense que le 2030, c'est le court terme. Par rapport au scénario, c'est peut-être 2040, 2050, peut-être au-delà, par rapport à un peu les différents scénarios de sécurité énergétique. Donc pour nous, c'est une continuité. Il y a un rapport qui a été fait, un état des lieux exhaustif sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et donc, cette étude, donc nous allons s'inscrire et nous allons participer activement à travers les cadres ou les experts de commissariat, mais notamment, nous avons un conseil consultatif qui est constitué d'experts, des représentants des secteurs. Nous avons même des experts algériens qui résident à l'étranger et qui peuvent aussi contribuer donc à cette étude. Pour nous, donc le volet énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, notre question c'est comment placer un peu les énergies renouvelables dans le sous-bouquet énergétique, dans ce système énergétique, selon les différents scénarios,
selon le scénario, puisque nous avons fait une évaluation sur le scénario laisser faire, c'est-à-dire business as usual, ou bien c'est le scénario de développement, ou bien un scénario de transformation. Donc, est-ce que c'est un scénario de développement, donc si on a un recours à l'énergie, justement, pour développer notre économie, et on peut faire appel à des énergies conventionnelles et à l'énergie renouvelable, ou bien dans le scénario de transformation ou de scénario de transition, c'est-à-dire on réserve une part importante aux énergies renouvelables. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. كان هذا طبعا كلمة لوزير المنتدب المكلف بالاستشراف محمد شريف بالميوب ومحافظ الطاقة.